Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un mini-kit que je suis en train de faire, donc je vais certainement offrir à un de mes copains qui s'intéresse un petit peu au monde de la préparation et du survivalisme. Et donc, je voulais vous présenter donc ce petit élément. En fait, c'est une boîte que j'ai achetée donc de marque McAllister, qui est la sous-marque de, enfin la marque distributeur des magasins Castorama, entre autres. Et donc, c'est un petit ensemble avec un mini multi-tool et un petit couteau lame de rasoir, on va dire. Alors, pour une fois, donc pas de chez AliExpress, n'est-ce pas? Donc, ça vaut 6,90 €, ça. C'était en petite promotion, je crois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une jolie boîte. Donc, la boîte ne servira pas à faire le mini-kit, mais servira à autre chose. Vous savez que quand on veut se préparer un petit peu à tout un ensemble de choses, on a toujours besoin de petites boîtes. Donc voilà, la boîte est assez sympa. Voilà, elle ferme bien, donc certainement elle rejoindra un de mes kits pour ranger du matériel, en fait. Voilà. Donc dans cet élément, donc deux choses. Donc déjà, un mini multi-tool, on va dire. Donc voilà, qui se présente donc de la manière suivante. Donc qui est assez compact. Je vais vous mettre un briquet ou un paquet de tabac à côté. Vous allez voir, Ah, là, voilà un petit repère de taille, en fait. Vous voyez, en fait, qu'il est assez, pas dire très compact. Donc bon, bah, un multi-tool des plus classiques, hein, voilà, avec la petite pince à ressort. On a effectivement un coupe-câble, hein, voilà, ici. Ensuite, les petits outils qui vont bien. Donc on a une lame, on a un tournevis cruciforme, d'accord. On a ici un ouvre-bouteille qui fait aussi tournevis plat. On a ici une petite scie, voilà, que j'ai pas testée, mais qu'on va voir un petit peu sur un petit bout de bois ce que ça peut représenter. Et puis donc de l'autre côté, on a plusieurs outils. On a d'abord une lime, une râpe. Enfin, là, c'est une lime qui a l'air assez agressive, hein, voilà. On a un petit embout de tournevis plat. Ensuite, on va fermer un peu ça là. Hop là, voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a un autre tournevis plat et on a un ouvre-boîte. Voilà. L'ouvre-boîte. Voilà. Donc, bon, le petit classique en multi-tool. Voilà, on va refermer. Et puis donc dans le coffret, nous avons aussi un petit couteau. Donc vous voyez, il pourrait même être associé à un porte-clés, hein, d'ailleurs. Un petit couteau pliant avec une mini lame de rasoir. Voilà, voilà un petit peu le format. Voilà. Donc pour pouvoir couper, pouvoir travailler des choses un petit peu fines. Voilà, évidemment, ça coupe très bien, et on peut enlever la lame et la remettre. Voilà, donc ça, on va le plier. Donc ça, c'est la base qui va constituer mon mini kit de survie. Et puis je vais vous présenter le reste, l'ensemble mini kit. Comment il se présente? Donc une boîte métallique des plus classiques, hein. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Donc en premier, j'ai mis un petit sachet plastique avec deux mouchoirs en papier. Bon, j'étais pas obligé de mettre le sachet plastique, mais ça le protège un petit peu de l'humidité. Peut servir de mouchoir, de pansement, de compresse. Enfin bon, ça peut servir aussi à allumer un feu, hein, bien entendu, vous le savez. Voilà. Un petit briquet pour le module feu. Voilà. Le sifflet Quechua qui fait boussole et loupe et thermomètre. Donc surtout la boussole qui marche bien, et puis la loupe qui est surtout très pratique. Par exemple, quand on fait des échardes, etc., sur les doigts, ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc une petite lumière. Ici, c'est une petite maglite qui fonctionne avec des piles 3A, bien sûr. Voilà. Donc bon, bah,
La base, hein, c'est une petite lumière de dépannage, sachant que c'est pas un kit qui est fait pour rester dans la forêt 3 jours, on est bien d'accord. Donc le fameux mini multi-tool, le petit couteau, et puis bon bah ça vous le connaissez déjà aussi, c'est le couteau, ce que j'ai appelé moi le couteau furtif pardon, qui est un couteau lame, hein, voilà, avec le système de blocage, pardon, comme ça plutôt, hop. Voilà. Donc tout ça rentre dans cette petite boîte qu'on peut facilement glisser dans la poche, voilà. Hein, et puis bah voilà, on peut comme ça assez facilement avoir ce petit minimum de matériel dans la poche, et ça peut toujours dépanner, surtout quand on n'a pas de gros EDC ou un gros sac ou voilà. Donc voilà le petit mini kit sympa que je pense que je vais certainement offrir à un copain. Voilà. Donc avec que je mette bien entendu un élastique dessus. Et puis voilà. Ça, c'était le format de mon mini kit. Voilà, petite boîte métallique. Pour le fun, j'ai fait un micro kit. Donc en fait, qui tient dans un paquet de tabac. Donc on voit ici la différence de taille malgré tout, qui est quand même assez importante. Voilà, donc le micro-kit, eh ben, il tiendra dans la poche, hein, bien entendu. Donc paquet de cigarettes, bon, il ne faut pas fumer, c'est pas bien. Avec dedans un sifflet classique, et puis une petite lampe porte-clés. On va retrouver le multi-tool, le Macalister du pack du mini kit précédent, et enfin le couteau à lame pliante, et puis bien sûr l'essentiel aussi, le briquet. Voilà, donc micro kit, multi-tool, sifflet, lampe, lame fixe, enfin couteau et briquet. L'avantage aussi du paquet de clopes, c'est que ben, ça peut servir de kit pour démarrer le feu, puisque c'est du papier, hein, donc voilà, ça peut effectivement aider au démarrage du feu. Voilà. Donc un petit kit, micro kit style mule, pour ceux qui savent ce que c'est, ultra léger. Voilà, hop, 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 et on va mettre toutes les affaires. Et voilà, ben, complètement discret, qui tient dans la poche. Voilà, c'est super, ça fonctionne. Voilà, pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de place, mais qui sont quand même fumeurs, et ben voilà, on peut tout faire tenir dans un petit paquet de clopes. Voilà, chers amis, sur ce, et ben écoutez, restez ouverts, à bientôt.